Monsieur Félix Tshisekedi, du chef de l'État, s'est lancé dans le pillage des minerais, cuivre, cobalt, lithium, or, etc., en créant des sociétés parallèles et fantômes privées pour lui et sa femme, ainsi que ses frères et beaux-frères, au profit de leur famille et au détriment du peuple congolais. Congolais, le républicain légitime relève au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, s'est lancé dans le pillage des minerais, cuivre, cobalt, lithium, or, etc., en créant des sociétés parallèles et fantômes privées pour lui et sa femme, ainsi que ses frères et beaux-frères, au profit de leur famille et au détriment du peuple congolais. Et ces membres de famille sèment de la terreur aux exploitants miniers. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille ont pris la GECAMINE en otage. Et aucune autorité de la GECAMINE n'a un mot à dire devant cette famille. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux. Menace les autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable. C'est pourquoi l'opposition républicaine légitime dénonce avec courage et met en garde le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille par rapport à ce pillage des minerais au détriment du peuple congolais.